Salam, 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 très marocain, salam, très bien, changement continu, très bien. J'espère que vous allez bien. Salam, Ashraf Ramoké, j'espère que tu vas bien. Les étudiants, manifestez-vous, les étudiants de Hadren. Salam, Aïmed Boussaroud, j'espère que tu vas bien. Mohamed Jabor, Ashraf Ramoké, j'espère que vous allez bien. Belkacem Hussein, Arraoui Abdelhamid, Mbarak Khourou. J'espère que vous allez bien. Salam, salam, salam les étudiants. Comment ça s'est passé sur les marchés aujourd'hui? Question. Comment ça s'est passé sur les marchés aujourd'hui les étudiants de l'école? Quels ont les scalpés? Oui, un coucher intéressant. Tous les marchés, tous les indices qui nous intéressent. Bien, j'ai pris le breakout du pétrole et du dos. Donc, j'ai le breakout du pétrole brut. J'ai fait le brut, rien. Donc, j'ai le breakout là, ici. Là, maintenant, Ashraf. Un petit peu précipité. Voilà. Ce qui concerne l'équipe, ça reste intéressant. La belle question d'Ikina, sur les marchés, c'est quoi? La question d'Adna, c'est le vendredi. On est le vendredi. Donc, on doit absolument faire attention en même temps. Week-end. Dirige-moi. C'est un rapport pour moi. Ok, donc ça, rien à dire. Rien à ajouter. Ok, rien à ajouter. Au bénéfice de DAX, les étudiants, comment le marché il se comporte par rapport à la stratégie, hein? Tout se confirme. Une première semaine, au bénéfice de DAX, très, 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 très intéressant. Au bénéfice de DAX. Premier jour, j'ai la semaine, le marché il confirme. Un breakout, pas une tactique haussière, une stratégie haussière. Donc, tout converge, toutes les unités de temps convergent. Donc, les acheteurs, ils sont là, le volume, il est là. Le marché, il se retournait vers sa zone de support intraday. Il a cassé. Donc, si on perd, on perd, on accepte. Le marché, il a fait son overlap ici. Donc, on achète sur réintégration. Là, avec un stop de 50%. Bien sûr, il y a des fois où le risque de reward ne coche pas. Donc, on ne prend pas le trade. On peut le scalper le marché. Ou là, on prend le support intraday. Bien sûr, les dernières informations. Quand tu les étudiants, tu n'oublies pas ça. La séance matinale, je crois que c'est la séance matinale. Mathieu. Moi. Je connais pas. Allez. Moi, Kouji. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je n'oublie pas le niveau des étudiants. Allez, je veux des réponses. Je n'oublie pas le niveau du support intraday. Buy, par la crypto, buy. Michel, Kassim Fonseca, par exemple, achat, exactement. Donc il y avait des opportunités, de très belles opportunités d'achat sur le DAX, sur son support intraday, ça a réagi quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume ici. Les niveaux de prix, le marché il a accéléré, on a pas mal de points d'entrée en scalping ici. La résistance mineure, résistance intraday. Au début, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Le marché, il casse le plus haut. Donc, c'est une très belle opportunité d'achat ici. OK? Je me dis, mon kin, c'est l'overlap. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Bien sûr, c'est une tactique. On est dans une stratégie haussière. Voilà, je nous ai début du mois. Si je suis cool, je suis pas enregistré. OK? Je nous ai le plan. Le plan, qu'on a, on doit acheter. À chaque fois qu'on dit une séance, les étudiants doivent penser à l'achat. Les marchés sont orientés à la hausse. Les marchés sont orientés à la hausse. Support majeur, avalement aussi. Si le marché confirme, continuez vos achats. Qu'est-ce qui fait le marché individuellement? Bam, il confirme. La première fois, on patiente, cassure. Deuxième fois, et ça continue. Et que ça continue. Donc, voilà. J'espère que vous trouverez les étudiants près des marchés. J'en suis sûr à certaines énergies. Ok, bref.
30 صحابتك بالتي كان زعما شحال في السيارة صباح ما كانش انا اوكي 30 نوتيفيكاسيون في الدو نردك في الويكاند من حقك من حقك. المهم علاش ما تاثر في الموقع شنو قال بيان كو راه سي سون دي رونفا اوكي تو لي مارشي كانوا انتيريسون تو لي مارشي Le Nasdaq est très intéressant. Rappelez-vous les étudiants en sciences matinales, je vous dis une petite boîte ici, et vous dites là, le marché stagne, mais l'ouverture journalière, le pivot journalier. Si il casse, ça serait très intéressant pour aller tester le plus haut de le mois. Il est là. Donc, soit sur un trade suivi de tendance, prenez les mises plus rapidement, soit vous scalpez le marché agressivement en fin de la zone là. En tous les cas, vous devez avoir des trades sur le Nasdaq. Ou d'abord, break breakout. Je crois que c'est un breakout les études. C'est le plus haut utile. Moi, passez une conseil, fallait. Moi, bravo, 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 bravo. Allez, on a fait le bénéfice. Régime des 20 000 de bénéfice. Bravo. Donc, ouais, ça marche. On est là. Ça marche. Ça marche. Les stratégies se confirment. Et tout ce qu'on fait, ça marche. OK? Donc, ça se prouve sur les débriefings, ou ça se prouve sur la stratégie de l'overlap. Ok, dites que l'overlap. Dites que l'overlap, elle est le plus journalier, ou la chenou. Donc, Nasdaq, c'est un marché intéressant, la stratégie, les supports mineurs, PAM, bougie de retournement, marché y confirme fait de moi, et que ça continue, et que ça continue. Voilà, vraiment les marchés ils sont orientés à la hausse. Les marchés ils sont orientés à la hausse. Pourquoi? Regardez-moi le journalier des étudiants. Regardez-moi comme c'est très beau à voir, le journalier. On a un graphe qui casse une résistance intrajournalière très importante sur le journalier. Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc il y aurait encore des journées haussières, Inch'Allah. Okay. On se dit que le prix, c'est lui qui va nous confirmer le truc. Il est qu'à nous répondre des journées aussi à la radio. Ok. Donc, les étudiants, on se lance la séance. On se lance. Donc, première semaine, les étudiants font les marchés, nous mettons les stratégies. Kulchi, il se confirme. Tous les marchés Treben, les. Sur les indices, par exemple, ça se confirme. Ou sur les autres marchés, Bakri Matarouche les confirmations. Donc, on attend. Sauf pas mal de marchés, par exemple, l'or, vous disiez la semaine, quel intéressant. Donc, ça prouve encore une autre fois, les étudiants, qu'il y aurait toujours des opportunités sur les marchés financiers. Il y aurait toujours des opportunités sur les marchés financiers. Il faut juste être patient. Il faut avoir la patience, avoir la maîtrise de la méthodologie nécessaire. Salam Soufiane Tharaoui, j'espère que tu vas bien. Comment ça s'est passé sur les marchés soupirants? Je me disais, vous avez vu le vendeur des étudiants, les techniques comme la photo aujourd'hui? WhatsApp. Je compte sur la photo. Je suis toujours le vendeur d'âge. Vendeur sur 107 contrats. Bon. Le problème, moi, bizarrement, ils se sont exécutés avec les ordres. Ok, donc, ma canouche des ordres, iceberg, ma canouche des ordres, pardon, ou de spoofing, ok, vraiment, quand même, des ordres réels qui nous offrent time and sales, ou tel volume qui te l'est. Hamza, il avait fait une petite vente, tu me mets, il avait acheté énormément de trades, la tendance haussière, rien juste avec le vendeur, quand tu me mets, qu'on l'a vu, on l'a détecté, ou. Malgré avec le vendeur, donc les étudiants, vous voyez comment le marché il a explosé à la hausse. Il y aurait à un moment donné fait avec le vendeur ou il ment. Il y a vraiment des investisseurs, des acheteurs, quoi, le DAX, vraiment d'ailleurs qui achètent. Donc il faut le savoir. Des scalps ou d'abord deux day trades, Nasdaq et DAX. Mais Khassin Khruj, le week-end, je pense que Radim n'a pas de bénéfice partiel de Nasdaq, mais DAX, Radim Khruj, Kamel. Ok, le DAX, je n'ai pas de position, yallah, je vais faire un breakout de l'autre. Voilà, d'abord le risque. Le risque, la semaine prochaine, il va y avoir un marché, un gap baissier, où on ne veut pas, mais bien sûr, on a une probabilité très grande.
Ok, يعني حتى لو هذيك probabilité دي انه il peut baisser donc au minimum c'est qu'on va faire une partie des bénéfices. Ok, pour dit achat swing je vais laisser support mineur. Alors il y a des je vais laisser. J'ai bien aimé les étudiants, la réaction des axes de début du mois, c'était très intéressant. Il fallait juste être patient, avoir une idée claire sur la méthodologie. Qu'est-ce que tu as fait pour achat en swing? Ah, il faut savoir que c'est du correctif. C'est du correctif, chouïa, sauf ce, si tu vas diminuer ton money management le maximum possible. Ok, parce que tu es dans un mouvement correctif. Ok, donc tu vas jouer le correctif sur GPUSD. On est autour de la résistance majeure à la partie indienne. Donc, faut vraiment faire attention. Clair? Ok. Alors, j'ai cru que j'ai partagé avec vous l'écran, donc je ne l'ai pas partagé, que je crois que c'est clair. Je peux USD après, sans partager l'écran. Donc, aujourd'hui, les étudiants, on va parler de pourquoi Bitcoin Canada est comme le marché des TIC. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut d'autres traitements pour le marché des TIC? Normalement, tu peux traitements pour le marché 15 minutes ou le marché 1 minute, l'intraday ou le scalping. À un moment donné, est-ce qu'on voulait qu'on traitement pour le marché TIC? Mais si je vous trouve mauvais, vous allez dire la séance, on voudra en détail pourquoi, ou là, juste normal, les points forts du graphique antique. Donc, le marin, on va approcher le graphique antique, on se fout, les étudiants, on va bien le cours. Ok? Donc, s'il vous plaît, les étudiants, tu m'auras dit une tracadaka qui fait ada, des raisonnements, des questions, les radines haoulou, j'ai oublié, ok? Bach, haoulou, nous idons en perfection notre madiana. Donc, tu m'auras dit, mais tu m'auras dit, les étudiants, à chaque fois que j'explique quelque chose, vous me dites est-ce que c'est compris ou pas, ok? Puis, ma canne, j'ai un peu, moi, je m'en fous, on marche à la fatale. Claire? Donc, on dit, 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 on est dans une discussion, tu m'as dit de quoi quelqu'un fait ça. Oh voilà, tu m'as dit, mais je trouve compréhension des étudiants. Moi je dis, mais il y a un. Ok, donc définition, un graphique antique, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est quoi un graphique antique? Mais encore faut-il savoir ce qu'est un tic. Il y a une certaine définition des étudiants d'un graphique antique. C'est quoi un graphique antique? Déjà, c'est quoi un tic? Déjà, un tic, les étudiants, les graphiques antiques représentent une transaction entre un acheteur et un vendeur. Clair? Donc, par exemple, quand on dit on est sur un graphe 1000 tics ou 2000 tics ou 21 tics, par exemple, il y a un marché, il va clôturer une bougie lorsque, par exemple, 12 000 tics. Donc, 1000 transactions avec un acheteur ou un vendeur. Clair? Je vais vous dire les étudiants, comme bien, le micro. Donc, le marché des étudiants, il n'est plus en fonction du temps. Ok, il n'est plus en fonction du temps. Et il n'y a pas de jeune bien pour real time. Quel sera le contrat à rebours? Le contrat à rebours, il y a le temps. Il y a le marché qui va être, qui va. Mais on va voir le contrat à rebours, il y a l'éthique. Donc, c'est une transaction à 12 000, un acheteur ou un vendeur. C'est très intéressant, ça fait une énorme différence. Okay. Chaque transaction se caractérise par un nombre de titres échangés à un certain niveau. Et, par exemple, si on choisit, je mets un graphique, par exemple, 50 tics, le compte à rebours avec les tickets, voilà un exemple de problème type. Sur un graphique 2 heures, par exemple, classique, un graphique 2 heures, qui est mobilisé des les traders débutants, sur MetaTrader ou sur différentes plateformes, une bougie correspond à l'évolution
Yannick fait à l'ouverture le plus haut ou le plus bas, les plus bas dirait les favoris de clôture, donc l'ouverture, clôture plus haut, plus bas, sur les 2 heures en cours. Ok, cette bougie sera clôturée dès lorsque 2 heures sera terminée. Donc, à chaque fois que 2 heures, à la même bougie, je dis là. C'est-à-dire, par exemple, il est qu'il a 10 bas, okay, 10 heures pile, la bougie de 8 heures se clôture pour être la bougie de 10 heures. Okay? Je crois que c'est clair, tu sais. Sur un graphique de multiples, là, chaque chandelier, yani chaque bougie, correspond à l'évolution du prix sur 2000 tics consécutifs. Yani 2000 transactions des le DAX. Clair? Ou là sur AIMAX. OK. Donc, on comprend, même cette définition Lula, Baseta, OK, déjà créée là, on comprend que le graphique antique n'est pas linéaire dans le temps. Donc, mais je vous prends un exemple plus grave. Donc, une bougie, une seule bougie, par exemple, un graphique 2 heures, à 12 2 heures, à une bougie jadida. 2 heures, à 12 une bougie jadida. Disons qu'un marché, il n'a pas pu faire que terme 2000 tics, par message 2000 tics pendant 5 heures. Yani, ma liste à l'inabouji, je dis d'ailleurs, tant que Bakhmut Mouch les 2000 tics d'Yelou, tant que Bakhmut marche il stagne. Donc, ma prenais en fonction du temps. Claire? Donc, par exemple, il y a ma cache volatilité, ou ma cache le marché, ma cache agressif, ma cache il gagne, ma fiche des transactions bizarres qui doudou. Mais écoute, le mouvement fait les bougies, est-ce qu'on bouge, on a des barres de calcium. Par contre, le macro fait le graphique, le temps, et qu'on a pas mal de bougies qui se sont créées, rien que l'ordre qui douze, mais chien que les transactions qui n'y le marché. Okay? Donc, ils donnent des bougies, de bruit, rien que le marché, il fait rien. Okay? Donc, ou les étudiants, non, le graphique antique n'est pas linéaire dans le temps. Tiens, le centique. Par exemple, centiques peuvent s'effectuer en 5 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1 heure ou plus, selon la volatilité du titre en question. Okay? Donc, par exemple, je fais un graphique antique, une bougie, je dis 5 minutes, comme je l'ai dit 1 heure ou la plus. Donc, selon la volatilité du marché. Donc, je vais dire que je trouve l'évolution réelle du prix. Claire? Il a qu'un radit là, radit là. Il a qu'un bougie, je dis d'un radit là, radit là. Il y a ma canche transaction qui nous ont mis les acheteurs et les vendeurs, il y a une canche volatilité. Donc, maximum radit, je serai donc, nous y est. On va tirer ce qu'on a voulu faire. On a voulu l'évolution réelle, je trouve, pour les niveaux clés d'une manière précise. Là, j'ai un exemple de jeu. Donc, alors, la salle, quand je fais un graphique 15 minutes, elle est les mêmes quand je fais un graphique 2000 tics. Là, demain, les étudiants ont le temps d'écrire le graphique 15 minutes à se créer. Ou monsieur le temps, c'est le même, c'est le même, c'est la même minute les deux autres. Avec les étudiants, la largeur de la phase. Mais là, on a eu que quelques bougies parce que voilà, mais qui n'est-ce que bougies, c'est bien rien que l'ordre qui douze. Par contre, là, l'épisode de Marat marche hyper rien, les 15 minutes qui douze. Donc, la configuration, notre tronche précise, monsieur Hanenaïa, la troisième. On a vu que le graphique antique, il n'est pas linéaire, là, le temps, bien sûr. Deuxième configuration, on a les étudiants, troisième configuration, non. Voilà, c'est un exemple de la différence entre un graphe et un graphe. On a un choix de quand on trouve, je n'en ai pas encore, c'est un graphique antique. Okay? Donc, pour le trading de moyen court terme, yani, soit le suivi de tendance, soit le scalping, cette représentation est pertinente car elle donne une représentation de l'évolution du marché indépendamment du temps, directement dépendant de l'activité du marché. Donc, variable wahid le prix. On n'est pas intéressé bien. Clair. En tous les cas, le marché est organisé journée par journée. Il y a une séance par séance. Et qui fait l'intraday, il brille un calbo, elle est le niveau clé pour d'une manière précise. Clair. Ou le graphique, le style de trading scalping, court terme, les étudiants, le graphique antique, c'est un graphe très, 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 très important parce qu'il nous donne beaucoup d'informations. Les marathons, je un graphique de temps. OK? Claire. OK.
C'est un exemple, les étudiants ont un graphique 21 ticks sur le DAX. La structure, elle est très belle. Là, de manière, le marché, comment il accélère une tendance de fond haussière. C'était juste le moins, les étudiants. C'est juste le moins. Donc là, de manière, le marché, comment il réagit, les zones, les phases d'accélération. Il y a des réactions très intéressantes pour les graphiques quantiques. Je vous l'évolution vraiment du marché réel. Ok. Alors. À quoi ça sert la vue entière? J'espère que tout va bien. Alors, à quoi sert la vue entière? La vue entière par rapport à une autre vue. Les graphes en n tick, voilà, il y a une autre chose que vous l'avez leur dire comme l'hybride entier, le x tick, ok, sont les seuls qui permettent une visualisation des courbes dépendantes de la succession de tick. Merci, merci. Dépendant de la succession des tics. Donc, la seule et unique, le seul et unique aspect lié au marché récompense dépendant lié, la succession des tics. Donc, les transactions. Donc, le prix. Clair. Plus que le décrément dit le temps, même si invariablement nous suivons la flèche. On a décidé tout à l'heure. Invariablement, nous suivons la flèche dit le temps. Et les journées, séance par séance, séance par séance. Le temps qu'il y a. Donc, l'information du temps qu'il y a déjà. Le graphe quantique en lui-même, il dépend juste de la succession génétique. Donc, la succession des transactions et des intermarchés. Les transactions que nous avons les acheteurs et les vendeurs. Ou les acheteurs ou les vendeurs, mais le prix. Et le prix, il est déterminé par ces acheteurs ou ces vendeurs. Donc, on a besoin de l'évolution des transactions. Mais si ça clair. OK. Ça va vous permettre d'enrichir votre analyse de différentes informations. C'est-à-dire que le graphe diélectique, elle permet de mieux visualiser l'évolution logique des courbes. Donc, l'évolution du prix reste d'une manière plus claire, ou telle détermination du niveau est d'une manière plus précise. OK. Elle permet de ne pas se laisser abuser par des mouvements parasites. Il y a des mouvements parasites, il y a des mouvements, micro-mouvements liquides, des micro-mouvements liquides à ouvrir parce que la bougie, elle est en fonction du temps. Et vous savez que 12, 15 minutes, 30 minutes, le marché, il ne fait rien. Même que 12, 2 heures, 3 heures, 4 heures, le marché, il ne fait rien. Il stagne à un seul niveau. Et même quand il va gagner peu et quand il va perdre. L'hélice, il va faire peu. Donc, il commet des micro-tendances rares, parasites, les rires. Normalement, le marché, il ne fait rien. Donc, les mouvements qui viennent dans le marché, ils sont très importants. C'est l'évolution du prix. On va faire des décisions, on va monter des tactiques, on va monter des stratégies, des régimes sur le marché. Donc, on a besoin de voir un graphe parfait, un graphe mizien, un graphe l'extension réellement. Clair? Donc là, il commence des mouvements parasites sur des périodes prolongées. Okay. Ainsi, au lieu d'avoir 20 bougies sans tendance, au lieu d'avoir bougies sans tendance, une vie antique permettrait d'en avoir 5 fois moins. Donc, on dit qu'on a 5 fois moins. Les bougies normalement, il y a un graphique j'ai le temps, okay? Puisqu'on compte la volatilité. C'est un peu les cas, mais je compte la volatilité. Ou bien sûr, c'est un peu que je compte la volatilité, rien que le DAX, l'île, bien sûr, je compte la volatilité qui est. Okay? Donc, par exemple, le DAX, en analysant le graphe IG, qui est la cotation, le truc, il y a le graphe antique. Ça va te faciliter bizarre, mais qui touche cotation, donc, mais qui touche volatilité, donc, qui touche mouvement bien. Bien sûr, monsieur Dima, par exemple, le DAX, fait les journées, fait la première journée, il a accéléré le livre. Monsieur Dima, qu'on a parlé. L'équipe, réellement, c'est magnifique, il y a des cas, mais qui touche volatilité, donc, des bougies, mais qui sont qui drôlent. Donc, vaut mieux le marché, pas d'un prix, la traduit. Claire? 100 hectares. D'abord, Zian, les étudiants. Non, mais toute tâche. Donc, on continue. Elle permet aussi de mieux visualiser certaines lignes de tendance.
Et là, tu me disais les étudiants, les graphiques antiques. Voilà, bien, mais vous avez commencé à vous entraîner sur les graphes antiques. Il y a une affaire d'avoir la force des graphes antiques. Ou là, je vais te dire qu'il y a une différence qui est bien. C'est le même marché, même structure, même couche. Mais qui est le plus? Ok. Ça va, elle, j'aime, oui, j'aime beaucoup. Donc, le salaire moyen, oui, il y a une différence. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Oui, bien sûr, je vais te d'abord. Imagine que le marché, il te donne des bougies, les rires, le temps qui douze. Là, ma réattroche détermination de la trendline, bien, ma réattroche détermination de les points clés. Vous avez compris, j'avoue que là, mais je pas rire le prix. Et les canaux de transaction, la réattraction du marché, les canaux, ça va être le marché. Donc, quand une trendline, la kéna. Oui. Mohamed Jabouk, vas-y. Je le disais que je connais. Oui, c'est normal. C'est normal. La structure, mais c'est la même. Il y a besoin de plus de prix. Au trendline qui va être plus. Marché DAX, DAX. Le prix. Oui. Qu'est-ce le prix, bien sûr, le marché, là, c'est le même. Il y a le même DAX, c'est juste time frame. Un graphique 15 minutes, il y a une représentation des radis statiques. Vous 15 minutes, les radis commencent la journée, mais tout je vais en volatilité. Il y a une volatilité. Une détermination des niveaux. Le prix lui-même. Sauf qu'il coupe pas Andy, le Kassem Hussein. Normalement, je suis sur une fibre optique, les étudiants. C'est comme la fibre optique d'abord, au Q Center. Donc, normalement, ceux qui connaissent, moi, je suis quelqu'un. OK. Où elle va vous permettre de mieux visualiser certaines lignes de tendance. Yani, on va essayer de regarder les deux. OK. Donc, on continue. Lorsque le marché est volatile, il y a qui a la volatilité. Donc, il y a une volatilité. Quand le marché, il peut gagner ou perdre énormément de points. Il peut gagner 50 points à la hausse, perdre 50 points à la baisse. Même qui a la volatilité, quel mouvement, quel volume. Okay. Lorsque le marché, il est volatile, la vue classique, par exemple, la vue même 30 minutes, peut-être 4 heures, par exemple, ne montre pas les micro-tendances. Il y a les micro-tendances et le marché, ça va dire quoi? Les vues, les suivi de tendance, la vision intraday qui va se dire la structure, on essaie d'avoir des points d'entrée chirurgicales. Il y a des points d'entrée qui ont une probabilité qui vient à nous mettre en couple. Voilà, où sont les séances, bien sûr. Les tendances, les time frame, par exemple, même 30 minutes, telle 4 heures, ne montre pas les micro-tendances. Par contre, si on choisit un graphique, par exemple, 1000 ticks ou 2000 ticks, avec une possibilité qu'il y ait, on analyse mieux le marché, on arrive sur les étudiants. En effet, les hausses ou les baisses violentes ne sont souvent représentées que par un long chandelier rouge ou vert. Ça fait là. Un graphique 30 minutes, un graphique 4 heures. Imaginez avec moi, un graphique 30 minutes, marché, il baisse. Il baisse un nombre énorme de pips, par exemple. Un graphique 30 minutes, tant que 30 minutes par le bougie, elle ne va pas clôturer. Donc, elle dit, ça t'a une bougie toi là ou bien. Hein, ou là. Donc, tu te quand même, elle risque de voir. Dire comme tu te quand même, elle a chaque page. Elle marque le risque de voir, mais qui couche, je me rends compte que tu 15 minutes, ou la salade 30 minutes, ou le risque de voir, tu stop loss, dire là, je t'ai profité, dire, ou chaque fois, tu as le salade, tu là, ou chaque fois, ambitieux, pour la salade. Donc, qui voulait amener des bougies larges. Par contre, même lorsque vous optez pour une vue en une minute. Il y a une minute, le marché qui est volatile. Tant que le marché est une minute, le marché il baisse, il baisse, une bougie qui est très grande. Ou les risques de risque de vraiment les micro-tendances. Il y a comment il s'est comporté. Par contre, le graphe quantique, là, je qui travaille les étudiants, qui te ou là, là, tu بالنسبه في ديك الاكسيلراسيون كل ميل تيك غتعطيك بوجي في واحد الشكل دونك هذيك الاكسيلراسيون كتقسم لي
فاهم؟ انت واحد غير في 21 تيك، في 21 تيك بعد مرات ملي كتكونوا خدامين سكالبينغ كتلقى دو او تخوا بوجي كيترسموا لك دغيا قدامك بام بام بام، باسكو المارشي الى تي فيولون في هذاك في هذاك لو طون، وميم كتخليك تبقى كونيكتي مع لاغريسيفيتي ديال المارشي، يعني حتى ديك الفيتيس كيفاش المارشي يفا بروندر هذوك لي يفا يفا بروندر هذوك لي تيك يفا غاني هذوك لي بيبس، كتحس بها انت وانت خدام في المارشي، يعني كيبان لك المارشي بام اون دو مينوت او 3 مينوت يفا غاني انورمالمون دو بوان كلير. وهذا لاسبي زوين بزاف في لي مارشي، يعني كتولي انت كتحس بفولاتيليتي ديال المارشي يعني وانت خدام. لو غرافيك اون فيو دو زور افيش الترناتيفمون اشنو بلوزيغ شون دو لي لون، يعني اون جينيرال بوندون لا جورني، يعني الصباح ملي كتكون فولاتيليتي بيان سور ناخدو لو كاتي دي زانديس اوكي سينون راه شي لاخر عادي. بلوزيغ شون دو لي لون دونك سوا غادي يعطونا دي شون دو لي لون كبار لي المارشي الى اكسبلوزي باش او لي تسدات لا بوجي باغ اكزومبل 2 اور، سوا غيعطينا دي بوجي شاندولي كور اون جينيرال بوندون لا نوي علاش ما كتكونش فولاتيليتي. كيستيون كون اي ساجي دان بريك اوت است كون فا اونتري ديريكتومون سان اتوندر لا فيرميتور دو لا بوجي اون كارت دي تيب او بيان اون اتوندر لا كلوتور دو لا بوجي بور اي اونتري. نورمالمون اون اتوند لا كلوتور باش نتفاداو لا بيس باش نتفاداو لا ميش كلير. كيف 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 الجراف الاخر كيف كيف كان الموقع اللي كنخدموا ديالنا اوكي. واليوم لي زيتيديون المارشي الى تي فريمون انتريسون من جميع النواحي، لو داكس سورتو لو داكس مون بوتي شوشو الى تي تري انتريسون لي زيتيديون من جميع النواحي كاع داكس يا داكس. شحال واحد شحال بزاف ديال لي زيتيديون في الاول فاش يلاه دخلتو لا فورماسيون كنهضرك مع داكس بزاف كنت كتسولي كتقول لي مهدي بوكو لو داكس ديما Je crois que Wakila a fait un pour que le DAX vienne. Là. Question. Est-ce que vous avez compris pourquoi qui n'a que l'intérêt le DAX? C'est un marché volatile, c'est un marché agressif qui veut, qui peut gagner énormément de points en une journée, il peut perdre énormément de points en une journée. En même temps, il respecte à la perfection les lois, les cliniques, les marchés financiers. Les cas sur le DAX sont dans le DAX Wearing. Ils respectent la méthode de la logique parfaitement. Exactement. Ils respectent d'une manière parfaite ce qui se passe sur les marchés financiers. D'ailleurs, tous les marchés confirment. Le DAX, c'est journalier. Il y a un marché qui est très important. Il y a un marché. Donc, le graphique en vue 2 heures, il a affiché soit des chandeliers longs. Donc, les chandeliers longs rédigés parce que le marché, quand tu es volatilité kbira fait que les 2 heures, autant que 2 heures après mettre dedge, le marché qui a fait des bougies. Donc, un chandelier long, oui, on a reçu comme exemple, soit des plusieurs chandeliers courts, donc plusieurs bougies courtes, en général pendant la nuit, les gens qui sont sur la volatilité, ou bien sûr, parce qu'on a fait la matinée, les gens qui sont sur la volatilité. Exemple, graphique 15 minutes, graphique 2 minutes. Les étudiants, regardez-moi cette bougie en graphique 15 minutes qui reste derrière. Non, avant de voir la phase 2. Graphique 15 minutes, bougie, pam, accélération brusque. Vous savez que en 15 minutes, tu n'as rien à faire ici. Alors là, tu as pris ma gueule. Ça fait le marché, il a vraiment accéléré. Je ne sais pas si tu as fait le breakout. Mais il y a un risque. Par contre, souvent, avec les étudiants, le graphique 2000 tics, ça se compose. Ou même, c'est les 2000 tics, même pas les 1000 tics, c'est les 2000 tics. Donc, c'est un graphe bien que les tics. Regardez-moi, qui va se faire un graphe en déchandelier. يعني كل بوجي و 2000 تيك ديالها، كل بوجي و 2000 تيك ديالها كلير. دونك اون اوغا لوبورتينيتي اننا اون اونتر في البريك اوت، تفهمي معايا ولا لا؟ دونك واحد ما نقدرش غنطرح في هذا المشكل ديال لي شوندولي لا اوكي. ثاني حاجه لي ستودون شوفوا معايا هاد لافاز هادي قداش، هاد لافاز هادي قداش، هاد لافاز شحال خدات ديال الوقت لي ستودون وشو شحال ديال الكوتاسيون باش ترسمات لينا اوكي، باش عطانا هاد الكونفيغوراسيون. باغ كونتر في الجرافيك اونتيك المارشي ما كانش فولاتيل باسكو كان هنايا سيتي لا نوي اوكي، كان بزاف ديال الوقت هنايا كان الليل البري ماركيت ولي المارشي حل مع بيان سور لوفيرتور ماتينال. هنا لي جيدون يا كو كات بوجي روج، لاحظتوا مزيان كو كات بوجي روج رياكسيون سور لوفيرتور مونسويل اكسامون. هنايا لي جيدون شوفوا معايا على اليسار في الجرافيك 15 مينوت
هاد السيرك اللي كيلوس، السيرك اللي كيلوس شنو كيبين لنا؟ كيبين لنا ان المارشي عطانا دو بوجي اللي شنو داروا؟ تحلوا هبطوا فيغ لوفيرتور جورنالير ورجعوا، يعني كو دي ميش. علاش؟ حيت بيان سور كان 15 مينوت ديك الساعه وفوالا البوجي باقي ما تكلوسيراتش، دونك طلع المارشي طلع المارشي. باغ كونتخ هنايا في 2006 لاحظوا معايا كومون سي كلير، المارشي يا مونتي يا بيسي، لي بوجي اي سون كلير، تو بو اشتي، فهمتوني؟ فريمون سا دون ان بلوس وواحد واحد الفيزيون الجراف ان تراداي اللي زوينه بزاف وي فو ليتيليزي ولا بد لا ريزون كتقول هاد الهضره هادي لوجيك لوجيك ريزونمون كيقول هاد الهضره هادي اوكي حنا ما كنجيبوش شي حاجه من راسنا ومن النهار الاول لي ستوديون في لي كور ديما يا 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 جوست دي ريزونمون دي ريزونمون دي ريزونمون دي ريزونمون لي جي مونتي دونك انا جي با شي واحد الواحد ما كنقولش لواحد من لي ستوديون ديالي انه يقول هذا الشيء راه صحيح اوكي اللي كنقولو ولكن يتبع الريزونمون راه هو غادي يقتنع راس براسو اوكي دون لا فيو اور اكس تيك لي شاندلي لون سو ديفيز اون دو بيتي شاندلي ا 2000 تيك شاكان دونك هادي هي السيتياسيون لي شفتها لي ستوديون ان لو غراف لا بوجي اي سي كومبوز ا 3 هنايا تقريبا 4 بوجي اللي كل وحده فيها 2000 تيك باغ كونت هنايا 15 مينوت باقي ما تسداتش دونك مارشي بام لا اكسيليري اوكي وهنايا ميم هنا اللي ممكن نحسو بالغابيديتي كنعرفو واحد 2000 تيك شحال ديال الوقت غادي تاخد و 2000 تيك الثانيه شحال ديال الوقت تاخد ضرب 2000 تيك بام اون 5 مينوت الاخرى تاخد 10 مينوت فهمتوني مزيان دونك خاصنا نخليو المارشي حيت الا كنا كنعتبرو كل 15 مينوت بوحدها راه سي با لوجيك سي فريمون با لوجيك شي اللي كنا كنعتبرو باغ اكزومبل كل عام بوحدو ولا كل موا بوحدو تتقطع في لوجيك علاش حيت راه سي توت ان موا دو كوتاسيون او سي توت اون اني دو كوتاسيون دونك راه سي فريمون ليفولوسيون ديال لو بري في هذاك الوقت باغ كونتخ 15 مينوت باغ 15 مينوت لا يعني لي زانفيستور متفقينش باش يديرو كل 15 مينوت حاجه جديده فهمتيني مزيان دونك خصنا نشوفو ليفولوسيون فريمون ديال البري transaction par transaction, mais seconde par seconde, transaction par transaction, c'est ce qui nous intéresse, clair? Alors, si vous entrez au zéro un tick, il y a une graphe, au lieu de faire 2000, vous faites un tick. Va tu vois l'évolution du prix transaction par transaction, il y a une qui fait marcher les comptes carrément, donc va tu vois sur le graphe, il y a une tick par tick, va tu vois l'évolution du marché. Ok. Dans la vue en x tick, le chandelier 1, dans l'ALEA, les lignes de résistance au support intraday peuvent être tracées d'une manière plus précise, ce qui va permettre au trader de bien déterminer les points clés à haute probabilité. Alors, vous me dites, les étudiants, que d'ordinaire, l'intraday va suivre la tendance générale. Ok. Donc, est-ce qu'on a une stratégie qui est en train de faire le début du mois? Elle est basée sur des lois, elle est basée sur des théories qui ne font marcher. Mais le but dans lequel nous sommes des traders, on détermine les points clés qui ne font pas intraday. Les points clés, on entre le marché, on suit la tendance générale sur des entrées qui ont une autre probabilité. Le fait de déterminer les supports résistance en intraday, c'est quelque chose de très important pour la tactique. Même si c'est la tactique, même si c'est le suivi de tendance, même en scalping, c'est très 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 important. Ok, je vais vous dire une chose. Donc, voilà, vous avez une détermination des niveaux d'une manière précise. Alors, je vais vous dire comment on peut déterminer les niveaux là, les démarcheurs d'après. Ce qui permet aussi de mieux anticiper la tendance, d'augmenter sa sélectivité et d'avoir des entrées chirurgicales. On anticipe la tendance mesienne, on augmente la sélectivité parce que on peut chauffer le prix, ou d'avoir des entrées chirurgicales qui connaissent des niveaux plus précis à la des time frames indiens. Par exemple, détection des signaux de cassure d'une manière précise sur un graphique en 15 minutes. شوفوا معايا لي زيتود دون هنايا لو غرافيك اون تيك باغ اكزومبل شوفوا معايا هنايا لا سام غرافيك اون 2 اور لي زيتود دون واش غادي تقدروا سوغ ان غرافيك 2 اور دو سويف اون توندونس دون مانيير بريسيز اللي كاينه في اون توندونس جينيرال واش سي بوسيبل ام حسن ل 2000 تيك ولا 2 اور
بالنسبة لكم؟ سلام عبد اللطيف بوكور، جيسبيغ تو بيان، تعطلت شوية على سيونس، المهم عاود هادشي الأول. دوميلتيك لاحظتوا لي تيك دون لا فورس ديال ليتيك، يعني غادي نحاولوا نشوفوا لي ميكرو توندونس. هادي هي واحد، هادشي اللي هضر عليه في البداية. شنو قلنا؟ قلنا واحد ما كانش غادي نشوفوا لي شاندلي لون، هما هادو، يعني غادي نشوفوا بزاف ديال لي بوجي استان، سمح لي على الغطاء، ماشي مشكل، غادي نشوفوا بزاف ديال لي بوجي كي سو فورم، حيت سي المارش، سي ان غراف اونتيك، دونك ني با اون فونكسيون ديال لو طون، اوكي؟ دونك غادي نشوفو بزاف، دونك لي زونتري ديالنا غيكونو شيرورجيكال، أو جوج هضرنا على لي سوبور ليستونس غيكونو ديتيرميني دون مانيير بلو بريسيز. شوف معايا لي زيتودون لي تريند لاين كي كومون اي سون ديتيرميني بارابور او جرافيك دو زور، اون ديفيرونس كبيرة بزاف 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 بزاف. حنا بالنسبة لنا هادشي هاد لي نيفو بحال هكا دايرين في لاكخادي عندهم واحد لامبورتونس كبيرة بزاف، حيت هما لي غيخلونا اننا ندخلو سوغ دي زونتخي اللي عندهم دو اوت بروبابيليتي بور سويف لا توندونس. دونك الواجب علينا كدي تخدر نخدمو بالمارشي اونتي، بالغراف اونتي، كلير؟ غادي تشوفو معايا دي فيديو الجرافيك في فيرتي انتيك في الكور تيرم، فريمون كور تيرم، اي دي تخي انتريسون، تخي 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 انتريسون، تخي انتريسون. اوكي، دونك لاحظتوا الفرق، كاين واحد الفرق كبير بزاف في جيش دون مورين جرافيك لي الى اون فونكسيون ديال الوقت، والجرافيك لي الى اون فونكسيون ديال ليتيك، يعني سا زيد في الانتخابي اون كونتينو. لو برينسيپ اي داغريجي ان تيك بور كونستروير اون بوجي او اون بار، هادشي هضرنا عليه في البدايه ديال لا سيونس. غادي خاصكم اكس تيك بور كريي اون بوجي، اوكي؟ ماشي واحد 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 تايم فريم باغ اكزومبل ديال 2 اور ولا ديال 1 اور بور كونستروير اون بوجي، لا، ça se construit par les tics qui dit tic dit transaction. OK, donc on va dire ça n transaction mais tu trouves là une bougie il a mentionné par exemple le DAX le 21 transactions mais bien un acheteur ou un vendeur de court terme mais il s'agit d'une bougie, donc répartis grave clé, c'est vraiment propre. OK, cette représentation donne une autre manière de voir les charts. OK, les cours ne sont pas déroulés selon des périodes fixes. Donc, par exemple, des bougies pour une selon des périodes fixes, bougie, telle bougie, telle bougie, comme on le voit en général dans les graphes. Mais dès qu'un ensemble entier N de tics a été reçu, une barre ou un chandelier est construit. Okay. À la différence d'un graphique classique, le graphique antique n'est pas en fonction du temps. On va dire quoi? D'abord, vous êtes conscient maintenant, maintenant seulement, à ce niveau le cours. OK? Donc, bien. Chaque bougie n'est pas déterminée par le temps, mais par le nombre d'opérations. Donc, là, il y a les évidents. Allez, je peux vous donner les comptes. Vous avez les comptes. La partie 1, l'analyse simplifiée. Donc, alors, à quoi ça sert la vue entière? Donc, l'analyse simplifiée. Vous avez les comptes que, l'analyse d'Yalcom va être plus simplifiée un graphique antique, un graphique antique, elle est un graphique en fonction du temps. A dit ouais. Juge, les étudiants, la vue, elle est indépendante du temps. La page de la page tenait d'où. Chaque bougie n'est pas déterminée par le temps, mais par le nombre d'opérations enregistrées par le courtier. Donc, à chaque fois, par exemple, sur un graphique 21 antique, graphique 12, elle a 21 transactions, 21 opérations, elle a une bougie jolie. Donc, vraiment, on est en fonction du prix Bordeaux, des transactions. Ainsi, une bougie peut très bien durer 10 secondes comme elle peut durer 1 heure. Okay? Donc, elle ne dépend en aucun cas le temps. L'utilisation de graphiques antiques permettra aux spéculateurs de bénéficier d'outils de meilleure qualité que les simples graphiques conventionnels écrits en bien sûr. Aura peu de plateformes de trading proposent le graphique antique ou vraiment d'une manière très belle ou d'une manière précise. Et même si avec un graphique antique, par exemple, MetaTrader qui me suit du graphique antique ou qui s'appelle au cas un graphique antique. Là, pour real time, avec le choix du nombre de tics que tu vas faire, donc le choix du nombre de transactions, selon la vision par rapport
la tendance en Arabie. Okay? Je crois que c'est très important. J'en connais beaucoup de scalpeurs, moi-même, qui sont mes amis, qui utilisent le graphe antique d'une manière très intéressante. Ok. Donc, deuxième chose, je suis dans un exemple. Okay, un autre exemple. Si vous m'avez, je suis dans la structure. Qui vais-je dire? La nuit, l'île, le DAX. Ou qui vais-je dire? La structure. Qui vais-je dire? La structure de mythique. Qui vais-je dire? La structure de 15 minutes. Avec 2 mythiques, il y a énormément de bougies qui se créent rire parce que 15 minutes que 12. Ou vous êtes marre que la volatilité ne contrôle sur cette ligne. Bien sûr, quand on fait donc la volatilité ne contrôle sur cette ligne. Des fois, bien sûr, marché l'accélère, schnaf, le DAX. Le lundi, donc, la volatilité ne compte pas les marchés, mais qui compte bien sûr les marchés ouverts, les actions, etc. Donc, quand je vous disais, des bougies qui te là, on n'a pas besoin de la chocolat avec des bougies. Par contre, 2000 tickets, soit à 12, 2000 transactions, soit il n'y a rien. Donc, هنايا شوف كما لاحظتوا معايا اللي كامل شوف قداش لا فورش ديال لو طون باغ كونتر هنايا لا طويله كلير دوزيام فوا ايسي لاحظوا معايا في لوفرتور لاحظوا معايا هنايا جو دونك لا ستركتور داكسيلاراسيون الي تري بيل ميم اون بوغي دير كو لو مارشي ان كاس با الديرني بلو با لاحظتوا مزيان تيلمون لا ستركتور الي بيل وما كاينش لو بروي مارشي il accélère bougie après bougie impulsive après bougie impulsive. Est-ce que c'est clair? Ce sont des structures du marché des étudiants, on dirait le mois. Okay? C'est le mai, le 1 mai, le 2 mai. Okay? La puissance du graphique antique, c'est vraiment très intéressant. Okay? Donc, on continue. Deuxième exemple, je vous mets les étudiants, l'exemple de marché, mais quelque chose de volatilité qui va se les bougies. Là, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, des bougies à petit corps, mais quelque chose de volatilité, 2 heures, le graphique dit le temps, ou des bougies très longues, mais quelque chose de volatilité, puisque le marché il est volatile, par exemple, pour c'est-à-dire que les 2 heures, autant que le marché n'a pas clôturé, fait que les 2 heures, là, il va donc, tu as attendu une bougie trouée là. Il m'a donné des ouvertures en intraday. Par exemple, en 2000 ticks, je vous mets la force, c'est ce donc, je vous même les petites micro-tendances, les radines, des breakouts. Par exemple, là, c'est très beau à voir, les étudiants. Une boîte d'indécision autour de l'open, comme la canard pour la boîte d'indécision autour de l'open, pam, la cassure, marché de l'accès. Marché plus rouge, j'ouvre ma tendance baissière qui va se mettre. Ma tendance baissière corrective. Pam, 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 pam. Par contre, 2 heures, là, c'est que des bougies à petit corps qui n'ont aucune signification. Je ne voilà, pour la troisième exemple ici. Par contre, mais c'est une tendance très claire en intraday. Ok. On continue. Ou un autre exemple, les étudiants, les marchés, le mois dernier, les indices, on a les étudiants, la structure en 15 minutes, la structure en 2 mythiques. La structure en 2 mythiques, elle est simple, basique, le marché, il ouvre 4 bougies, il accélère. Maintenant, énormément de bougies, l'imam, donc, okay. Alors, en tous les cas, en 15 minutes, on va prendre le breakout. Maintenant, on va prendre le breakout. C'est plus beau à voir un graphique antique qu'un graphique en 15 minutes. Aucun chose pour être le cas, vous avez le cas. Je vous mets les études dans le deuxième exemple, là. Oh, là. Au troisième exemple, là. Énormément de bougies, là. Oh, là. Ce sont des bougies désoffrant les transactions. C'est presque. Les tendances d'accélération que tu m'as dit tout à l'heure, le marché il casse pas le dernier plus bon. Tellement c'est clair à voir. Tellement c'est clair ou c'est très beau à voir. La tendance, qu'est-ce que tu la tendance bon. Ok, on continue. Le nombre de titres échangés pendant 2 heures. Là, les étudiants, que.
en 2 heures لاحظوا معايا en 2 heures الا جينا نشوفوا احنا غنمشيو نهضروا على واحد السوجي زوين بزاف دابا اللي جا فينا لاحظوا معايا اللي بغينا نستعملوا الفوليوم اوكي وبغينا نشوفوا شنو كاين في الماركشي يعني سولون سلام اي درجه استقطابيه ماشي مشكل مرحبا بك بالنسبه للفوليوم لو نومبر دو تيتر ايشانجي بوندون 2 اور هادشي اللي كيقول لنا الفوليوم دابا باغ اكزومبل هنا شنو كيقول لنا الفوليوم كيقول لنا كو راه بوندون 2 اور اون ا اتان تقريبا لي 25000 تيتر لي سون اكزيكوتي في 2 اور فهمتني مزيان ولكن في 2 اور كلير حنا غادي نشوفو كومون سا كومون كيفاش نقدروا نستعملوا هاد لافورماسيون في الجرافيك اونتيك اوكي دونك كيس كون بو كونستاتي دون لا فيو اونتيك Chaque barre de volume est la somme des volumes des transactions qui composent. Je crois qu'il y a un problème, les étudiants. Ah là là, ah là là, ah là là. Quelque chose a été supprimé. Oui, que tu penses sur un PDF. Ah là là, ah là là, ah là là. Donc, on fait avec, on fait avec, on fait avec, on continue. عندي اون باج كي ايتي سوبريمي اللي هضرت فيها على الفوليوم المهم اللي كنجي نشوفو مزيان لي زيدون في الفوليوم ديال المارشي بارابور التايم فريم اشنو كنلقاو كنلقاو ان الفوليوم كيعطينا لافورماسيون ديال انه هذا العدد ديال الفوليوم اللي كان اكزيكوتي هذا العدد ديال الوقت كلير ولكن كتنقص لنا واحد لافورماسيون اللي كبيره بزاف هو كومون اون بو سافوار On peut faire la différence entre un volume et un autre. Et nous avons appris la date de transaction, les deux heures, c'est-à-dire 2 heures. Comme tu dis bien, alors, quand magadish ne peut pas nous faire quoi, bien, 5 000 nes, j'ai eu pour un achat, le plus ou là, un, qui a pour nous le même nombre d'achats. Comme tu dis bien, magadish ne peut pas nous faire quoi, un volume, par exemple, de 1 000, les deux personnes ou un, ou un volume de 1 000, les deux personnes, 10 personnes. فهمتوني مزيان في لو طون اوكي دونك بويسك لو فوليوم الي اون فونكسيون هنايا دي طون دونك المعلومه اللي غادي نقدروا نقولوا الوحيده هي شنو هي هي راه هاد الفوليوم كان اكزيكوتي بوندون 2 اور ما غاديش نقولوا هاد الفوليوم كان اكزيكوتي واحد العدد ديال الترانزاكسيون كلير دونك بحال اللي قلتي كنعطوا الفوليوم غير En fonction du temps. Il y a maybe 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Par contre, antique, là, Hajakhra. Dans la vue antique, chaque barre de volume est la somme des volumes des transactions qui composent le chandelier associé. Il y a une autre chose. Elle est 21 tics. Kula transaction tchnep, de se faire un volume. Aulala. Kula transaction, c'est-à-dire 21 transactions, c'est un volume. Aulala. Le volume total de la bougie, ou est-ce que c'est? Ou la somme des volumes de la transaction. C'est clair. Ça fait mal. Cette information, je vais vous donner une information pour que vous puissiez vous donner une information. Est-ce qu'on a le volume qui est exécuté par rapport à un nombre de transactions? Donc, le truc qui est carrément le volume. C'est le nombre de transactions, non pas le temps. On n'est pas intéressé par le temps en intraday. Je ne veux pas dire le volume le temps. Je ne veux pas dire que l'on a dit 2 heures, il y a le volume de 2 heures. En tous les cas, on ne veut pas dire ça. On ne veut pas dire les transactions. Donc, on a le volume, le volume il est en fonction des transactions, non pas du temps. Donc, le volume est plus significatif dans les graphes quantiques. Exactement, on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'on Comme le nombre de transactions par chandelier est constant, puisque un graphique par exemple multiple, donc le nombre de transactions il est constant. Le nombre de transactions par bougie il est constant. Chaque bougie a 12 000 transactions. Chaque bougie a 12 000 transactions. Donc, comme le nombre de transactions par chandelier est constant, chaque barre de volume reflète en fait le volume moyen des transactions qui composent le chandelier associé. Vous comprenez? Donc c'est clair, c'est là. Ok. L'information est très intéressante. Alors, je vais vous donner les étudiants. Exemple. J'espère que vous comprenez.
supprimer lié deux pages ma vie là ou là, mais puisque je me rappelle très bien du raisonnement, donc بغيت تكون تكونوا فاهمينهم مزيان باش ندوز للبلاصه الاخرى، اوكي، باش تكون متاكد ان فهمت واحد ما كايناش في بي دي اف مره اخرى. لا مفهومه؟ اوكي، دونك اون كونتينيو اللي مفهومه اون كونتينيو. دونك ناخذ اكزومبل لي زيتوديون، لا بوجي سيبتيك، ناخذ ان اكزومبل بوجي سيبتيك، اوكي، يعني ان غرافيك سيبتيك. L'évolution du prix, l'évolution du prix, on a le volume associé. L'évolution du prix, le carnet d'ordre, le prix, le prix, le 40 dollars, au rebut 23,30 dollars. Donc elle dit comme tout aller à la ça. Ok? Donc je vais faire une transaction au marché. Le marché doit faire 27 transactions. Il y a des acheteurs ou des vendeurs. À chaque fois, il y a un prix, etc. Le volume associé, lequel pour la transaction, on a le volume associé qui est 232 titres d'idées. On a 368, 530, 1302, 530, 753, 329. Que le wahed ou des fils, un volume associé. Donc, qui veut que tu le volume des étudiants, fait le graphique antique. Est-ce nous qui dire le real time? Est-ce nous qui dire? Il explique le volume, la somme du volume des sur chaque transaction. Donc il a, donc la somme, il a généré chaque année les étudiants, j'ai le volume, j'ai une bougie sceptique, où je n'ai pas, ou 4044. Donc, on sait très bien que cette transaction, c'est 4044. Donc, on a une référence de cette transaction. Donc, c'est bien. Mais si on a une référence de le temps, je nous dire bien. On est intéressé par les acheteurs et les vendeurs. Le volume, on a la des acheteurs et les vendeurs. Mais comme le volume est augmenté, je nous dis bien. On a besoin des achats qui déroulent, besoin des ventes qui déroulent. Ou besoin des ventes qui déroulent. Il y a besoin des investisseurs qui naissent le marché. Mais comme le investisseur, comme le acheteur ou le vendeur. Donc, on a carrément le volume, mais les transactions. Non pas le temps. Clair? Ok. Le fait de savoir le volume d'un nombre X de transactions est une information très très intéressante. Ok. Le fait de savoir le volume d'un nombre X de transactions est une information très intéressante les étudiants. Et traquine juste où est-ce que le marché gagne, qui est le prix, les rois, mouhim zef, ou le volume. Il y a le volume, mais ce n'est pas un indicateur. Il est basé sur le prix ou là. Là, le volume, c'est une information jadida. Il y a une chaîne de transactions d'être un an pour être le prix, bêche, là, le niveau, là, bêche, là, le niveau. Ok? Donc, je vous fais les transactions exécutées déjà. Mais si les transactions, les bâtiments de jouche, par exemple, ils sont des transactions limites, l'équivalent de carré d'or, par exemple, elle est venue à la barre des acheteurs, des vendeurs. Là, volume, c'est transaction, les déjà. Ok? Ou sachez que, un investisseur, l'équipe ou une banque l'équipe, elle va faire le maximum possible. Ou tiens, qu'elle a fait, tiens, qu'elle a fait, tu vois, tiens, qu'elle a fait, tiens, qu'elle a fait, qu'elle a fait des documentaires, tiens, qu'elle a fait. Un investisseur, ou un hedge fund, ou un fonds d'investissement, ou là, une arcade, ou là, une banque, elle va faire le maximum possible. Mais si tu vois, elle ne sait pas, ou est-ce que tu cherches ou l'équipe bien? À dire le mesure de dialogue. Hint, bien sûr, alors, on a le cas des étudiants. Un an, c'est Goldman Sachs. Ou, à un moment donné, j'ai décidé, un an, je vais acheter un nombre énorme d'actions, par exemple Apple. Ou est-ce que je vais acheter les autres, et c'est pour dire que un an, je vais acheter un nombre. Ou est-ce que je vais acheter un nombre? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, Hint, il a aussi dit que tu as بلا راه انا جولمان ساكس اللي عارف الناس عارفين لا فورس ديالي انني جو في اشتي
راه كلشي بيان سور غيكون انفلونسي وكلشي غادي يبغي يدير بحالي. انا كسميتي وارن بافيت وقلت بلي راه غادي يشري، راه كلشي غادي يدير بحالي وغيبغي يشري. دونك اي فون فيغ مونتي لو بري، وانا شي با انتريسي ان هاد الناس اي فون فيغ مونتي لو بري. علاش؟ حيت جو اشتي فين بغيت نشري انا. دونك انت نقدر نقول شي حاجه انا كش ك ك ك ك اون ك اون بانك باغ اكزومبل، انت تقدر نقولها تعال نكون شريت، يعني تنشري ديك الساعه ملي غادي نشري وساليت دازت لا ترانزاكسيون في البري اللي بغيت، ديك الساعه في صالحي نقولها، ديك الساعه في صالحي نقول وي راني شريت في هذا النيفو اون اشتور سي كذا وكذا، باش بزاف ديال الناس يكونوا انفلونسي ويطلعوا معايا لو بري. فهمتوني مزيان؟ دونك طون كو باقي ما دازتش لا بوزيسيون راه اي فون فيغ لو ماك. واش فهمتوني مزيان ولا لا؟ اوكي. دونك طون كو باقي ما دازتش لا بوزيسيون راه اي فون فيغ لو ماكسيموم بوسيبل بور كاشي لوغ اوردر. سوا اي فون باسي باغ دي روت لي باغ اكزومبل دي اسمو كيتسماو دارك بوكس ما نسوليش، هم دي روت واحد اخرين اللي كيدوزو منهم دارك بول. فوالا طارق الخفاوي، برافو برافو. سوا يدوزو باغ دي دارك بول، سوا يفون فير دي زوردر ايسبر دي زوردر اون سكوبينغ شي بلايص باش تبوزيسيونيو في شي بلايص اخرين، ويوتيليزي دي زالغو دو تريدينغ باش يفرقو ليهم لي بوزيسيون ديالهم على بزاف ديال لي نيفو. المهم ولكن الفوليوم اكزيكوتي راه اكزيكوتي، دونك راه تاكزيكوتي. فهمتني مزيان؟ ولكن دي فوا بيان سور يا دي زوردر كي سون فوندو سور كارني دوردر. علاش؟ في الجروب واتساب اليوم حمزه صور لكم اون فوتو ديال كارني دوردر، شفتوا شحال ديال لي زوردر لي زيتيديون 107 اوردر 107 كونترا كي فول اتر اكزيكوتي ا مومون دوني و اي سي سون اكزيكوتي مفرقين. بون المهم حتى هنايا سي كلير. اوكي دونك اون كونسيوني chaque barre de volume correspond au volume de cette transaction, cette tick. Donc ni qu'un goulou cette tick, qu'un goulou cette transaction. Chaque barre de volume correspond au volume de cette transaction. Clair? Donc il est chez nous bien, il y a le graphique 2000 tick. Et là, maintenant, chaque bougie, c'est 2000 transactions. Donc chaque volume, maintenant, il est en fonction des transactions, non pas en fonction du temps. دونك يعطينا واحد لافورماسيون اللي زوينه وكبيره بزاف. كلير؟ اسكو سي كلير؟ دونك حنا غادي نشوفو ان اكزومبل كومون اون بو لوتيليزي اكسيتيرا. لو في دو سافوار لو فوليوم دان نومبر اكس دو ترانزاكسيون ات اون انفورماسيون تري انتريسون ريزونمون. اوكي لو تريدر va bien sûr en intraday analyser l'évolution du prix pendant pas mal de journées. T'as compris ou là l'intraday, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'analyser l'évolution du prix pendant pas mal de journées. Par exemple, l'intraday de la semaine, on a analysé toute la semaine. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, t'as compris? Donc, on a le 4 lundi. Il y a eu 4 journées, ou la 3 journées sur les marchés financiers, sur le DAX. Où on l'a analysé pendant pas mal de jours. Donc, l'évolution du prix, les modèles, on va l'analyser. Ok. Donc, comment peut-on dire que le volume à l'instant T, yani, qui va être un goulot, peut-être l'achat de la PA, ou la BRF, ou l'achat, que le volume il est très élevé ou il est très bas? Qui va être un goulot? Ou est-ce que le qui va être un goulot que l'UMA, le volume il est très haut ولكن البارح كان الفوليوم تري با ودابا راه كاديا شويه bien sûr en le comparant par sa moyenne اولا لا en le comparant avec sa moyenne يعني ملي عندنا الفوليوم ديال شاك ترانزاكسيون نقدروا نديروا une moyenne اولا لا نقدر تكون عندنا une moyenne يعني نعرفوا le volume moyen en intraday sur un marché. OK il se calcule c'est possible c'est faisable sur ProRetail. Donc, ملي عندنا لا فورماسيون ديال كل بينو بين لو بري ولا نو حنا جايين محمد جابوك الهضره انا جايك الهضره تانكيت 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 محمد جابوك. اوكي دونك اون لو كومبارون افيك سا موين ملي غادي نعرف نقدروا ملي عندنا لو فوليوم ديال شاك جورني دونك نقدروا نصوبوا موين
وملي نقدروا نصوبوا موين غادي نعرفوا بلا الفوليوم الا كان فوق لا موين راه كاين فوليوم انتريسون في لانتخادي، والا كان فوليوم تحت لا موين راه الفوليوم ان با انتريسون في لانتخادي. تفقي معايا ولا لا؟ واش هادشي لوجيك؟ OK. On peut donc comprendre l'évolution des prix grâce au volume. Bah, par exemple, tu l'as dit, la connexion. Mais bien, le prix, le prix réel, il est en fonction juste du prix, juste des transactions, non pas le temps, mais le volume, il est en fonction de où est le prix, bien sûr. Ou on va essayer de comprendre l'évolution des prix. On va donner un outil de la lecture du graphe. يعني كنعرفوا لي زيتيون كل مره كيتزادوا دي زوتي جداد اللي غادي نحاولوا نستعملوهم بحال لي ماتيماتيك كيف ما كنقول ديما. يعني تحطوا لنا دي زيكزيرسيس، عندنا دي زوتي في بالنا دو ريزونمون لي اون فا ايسيي دو ريزيتيليزي بور كومبروندر لا سيتوياسيون بلان كرادي لا. دونك اون فا بوفوار دونك كومبروندر ليفولوسيون دي بري غراس او فوليوم. اوكي، لو فوليوم مويان جورنالي انا درتو ليكم اكزومبل قدامكم دابا. هذه سي لا موين موبيل لي زيتوديون، سي اون موين موبيل كي سابليك ديريكتومون فير على لو فوليوم، و سي اون موين موبيل كي نو دون لا موين نورمال ديال الفوليوم بلان تخادي سولون واحد 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 21 بوجي لي دازت قبل 21 بوجي ولا 30 ولا 40. فهمتيني مزيان؟ سي كلير؟ دونك l'outil des étudiants des moyennes mobiles sur le volume, on va pouvoir déterminer le volume moyen intraday. Clair? Il est que le marché, bien sûr, comme nous, il y a un volume intéressant, un volume bien fait la journée. Ou si le marché, bien sûr, si le volume qui est en de la moyenne, le volume qui est en de la moyenne. Donc, le volume n'est pas intéressant. Clair? Donc, il n'y a pas de volume. Clair? Vaut mieux un âge exponentiel. Bon, ma quelque chose différente, c'est que un an, selon mon historique de travail, ou mon livre de trading, mon expérience des moyennes mobiles, j'aimais bien les moyennes mobiles exponentielles. Ils sont plus intéressants que les moyennes mobiles simples. Claire. Achar Flamouki, même si la bougie est bira, ma femme tu me dis, c'est le lien, même si la bougie est bira, quelle est cette moyenne mobile? كيل ست موين موبيل مبارك خور ما فهمتينيش بغيتي تقول موين موبيل مبارك خور ما فهمتيش شنو بغيت نقول موين موبيل ولا شنو نو با سا زيد شنو بغيتي تقول Même si la bougie qui vient du prix, c'est qu'on parfois le volume prix. Exactement, exactement. Il y a des fois, la bougie, mais qui te couche, ça adhère à la mouvement réel du marché. Il y a aussi des acheteurs ou des vendeurs qui ont fait monter le marché d'une manière agressive. La 20 ou la 10. Ah, quelle moyenne mobile? Il y a la 21. Barcoro. 21. Ok. Donc, si vous voyez les étudiants, les phases d'accélération qui fait le volume qui coule, faut la moyenne mobile Diallo, faut la moyenne, faut le volume moyen journalier, ou à chaque fois que le marché accélère, pam. À chaque fois que le marché accélère, pam. Et là, les étudiants ont un mouvement correctif, et la bougie, exactement. Et la bougie rouge. Faire des transactions, les désordres, qu'elle a un volume énorme par rapport aux transactions, les désordres, les bougies, les rebelles. Donc, c'est une toute l'importance de l'information. Ou là, ce volume, c'est pas le volume normal. Alors, qu'elle a un volume par rapport au nombre de transactions. Je sais que vous voulez faire de la bougie, mais vous voulez que faire des demi-tiques, des aides, un nombre de transactions, un volume énorme par rapport aux demi-tiques, les désordres. Donc, faire des demi-tiques, qu'elle a des vendeurs, les barres. Clair? L'ordre de le marché, comment il a baissé maintenant? Volume très haut, bougie rouge, le marché il s'est mis à corriger, à corriger, à corriger, à corriger. Il y a des étudiants qui ont d'overlap. Je vous mets d'overlap. Et que l'overlap, il y a des
Bam, support intraday, il est là, ça a baissé, tu as l'overlap. L'overlap, la confirmation, dit, Yallah, quitte là, tu vois le volume, comment il a accéléré à la hausse. Bam, le marché il s'est mis à accélérer. Bon, c'est très intéressant, les étudiants, quand on compare le volume par rapport à sa moyenne. C'est une information très intéressante, le volume par rapport aux transactions. Lorsque votre barre de volume est supérieure à la valeur de cette moyenne mobile, vous pouvez considérer que les transactions qui composent cette barre sont le fruit de l'activité de gros investisseurs par rapport à la moyenne sur cette valeur. Lorsque votre barre de volume est supérieure à la valeur de cette moyenne mobile, il est qu'un le volume d'iel ou la bougie, il est supérieur à la moyenne des volumes d'iel l'intraday, mais quand les transactions, les déso, bougie, il y a une transaction, les transactions, sont le fruit de l'activité de grands investisseurs parce que des volumes qui par rapport à la moyenne sur cette valeur, la moyenne n'est pas le volume. Clair? Yes. Ok. Donc, super. On continue. Je vous les étudiants. Le marché, comment il réagit? Je trouve le comportement du volume par rapport au comportement du prix. Là, il y a les étudiants du marché qui font cette accélération baissière. À chaque moment, le marché qui dit une barre de volume, il y a le volume moyen. Pam, et ça baisse. Pam, et ça baisse. Pam, et ça baisse. Là, tu les baisses, la baisse, les cadres, des vendeurs, des vendeurs qui disent des transactions. Des transactions qui viennent au Lina. Qui viennent au Lina, où est-ce les bougies? Ce sont des bougies de transactions, de 1000 transactions. Où est le volume? Ils calculent le volume des transactions, les désolos. Donc, quel arbre a un volume clair? Quel arbre a un vendeur énorme par rapport au vendeur des désorbes? Comme tu dis, bien sûr, on a la tendance de fonds et de baissières, ça aide. Ça aide dans nos entrées. Quel arbre oui, il y a des investisseurs. Vous voyez les étudiants, comment le marché il s'est calmé, mais un mouvement correctif, un mouvement en sideline. Le marché, pop, le volume, il s'est calmé, il s'est calmé, il s'est calmé, il s'est calmé. Bien sûr, il y a quand même de la nuit, quand même très marqué. Tu me dis, à un moment donné, le marché il s'est mis à accélérer, le volume, pop, le moyen, ou le moyen. Le marché il s'est mis à accélérer, il baisse. Pam, correctif, pop, le moyen. Pam, il baisse. Donc, les vendeurs qui font baisser le marché, qui viennent au liquide du volume. Comme tu me dis, moyenne mobile 21, exponentielle. Où est-ce que il y a le volume moyen journalier, normalement. Volume moyen intraday. Pardon. Ok. On peut donc répondre à la question suivante. Oui, moyenne mobile, moving average. Exactement, exactement. Il y a qui la moyenne de. On peut donc répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui appuient le mouvement? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui appuient le mouvement baissier ou le mouvement haussier? Ok. Exemple. On a parfois des situations où le volume moyen intraday est autour de 10 millions de titres. Exemple. Sur une action, par exemple. Le volume moyen intraday, il est autour de 10 millions de titres, c'est-à-dire la moyenne. Puis, on assiste à une accélération des volumes. Why? Pour quelle raison ce volume explose-t-il? Question. Yalla. Wesh, li sabab li ghayrin min annahu kaynin des investisseurs jdad? Wesh kaina shi réponse من غير هذه? Mimkinch. Parce que c'est le volume, ou le volume exécuté à la veille. Donc, on a deux mains à la veille. Aou lala? Voilà, la liquidité, kaynin des vendeurs jdad ou kaynin des acheteurs jdad, des gros poissons. Ok. Le volume intraday journalier permet de déterminer l'activité normale sur l'actif. Il y a la moyenne, l'activité normale des investisseurs. Le volume moyen des raguidos ouf, la phase normale. Quand ils sont agressifs,
quand ils ne sont pas. Donc, de déceler les périodes où l'activité est supérieure à la moyenne. Les journées qui confirment l'activité, elle est supérieure à la moyenne. Supérieure à la moyenne, supérieure à la moyenne des volumes des transactions exécutées. Donc, c'est une information très précieuse. Surtout sur le tendance, surtout le scalping, les étudiants. Le cas, si un point pivot journalier, par exemple, des points pivot, à chaque fois le marché il tape, il réintègre deux pips à gagner, deux pips à gagner, deux pips à gagner, deux pips à gagner. Alors, à chaque fois que le marché il tape, tu vas pouvoir analyser le volume. Ouais, je fais le niveau, des acheteurs Z qui vont faire monter le marché. Donc, exemple, les trades, les deux mois de prochain, le pivot. Je connais chef les trades, le mois de prochain. Le pivot. Hello. Allez, je compte chef les trades d'El Mouad Barchan. Ah non, Belkacem, Mohamed Javon, je suis en train de faire une analyse, débriefing. Des scalps sur un point pivot journalier, ou une bizarre, tu mets que ça va t'aider, Mouad. L'article, ça peut t'aider énormément avec l'information, Mouad. Oh là là. Voilà, vous vous rappelez d'elle. Oui, bizarre. On dit le volume qui est bien, wesh, les transactions kbar ou non. Yeah, voilà exactement. Les transactions, les 7 transactions leaders, il y a un volume différent. Avec le volume, bien sûr, qui compte calculer, une bougie par exemple 21 tick, tu atteins la somme. Le volume d'une bougie 21 tick, tu atteins la somme du volume de chaque transaction d'est avec le 21 tick. Chaque tick. Donc, on va pouvoir savoir la différence entre nous. OK. Donc, on continue. Exemple, les étudiants. Là, c'est le marché du. Yal, même si vous faites ce que vous avez fait. Du. Marché du. Intraday. Multi. Lyoma. Mais dit le volume qui est bien, wesh, mais dit question, est-ce que grâce à cette méthode, on peut s'en passer du carnet d'ordre complètement scalping? Un, c'est quoi te dire? Si en tous les cas, carnet d'ordre, il passe win, benesque les scalpers, pêche, l'exécution des ordres. Il y en a l'exécution des ordres, après, tu peux exécuter les ordres dialogue sur carnet d'ordre. C'est très beau à voir. Il y en a quand tu vas exécuter les ordres, calmer le prix de ce pips ou le prix de ce pips, ou que je prenne en même temps l'information. En tous les cas, il y a une station de trading, Inch'Allah. Donc, il y a la place qui est dire Kulchi. On se souvient de Raoul, il peut le prouver. Ou même, il y a 6 écrans. Vous voyez qu'il y a une particulier, une station de trading, il y a une place qui dire Ihaja. Donc, j'aime bien, par exemple, scalping, exécuter soit en pro real time, le carnet d'ordre, scalping, mais si carnet d'ordre, il y a dire pour une taille, ou là, passer les ordres sur le carnet d'ordre. Bon, donc, l'information des ordres, limite, les barres qui sont exécutées. Ils sont bidonnés par des transactions de spoofing, des transactions iceberg, des robots. Bon, ce qu'ils veulent, mais quand vous l'avez signé des ordres qui vous ouvrent par des algorithmes de trading. Donc, le carnet d'ordre, il est plein de robots qui testent leur stratégie d'un jour à un autre. Mais ça reste intéressant. Comme étant un outil, ça reste intéressant. Continuez, moi, prochain. Bien sûr, un des lectures, il y a tout ce qui est front-running, tout ce qui est absorption, qui est le widget. Mais c'est selon la philosophie de l'entraînement. Un petit mot à l'écran. Clair? Donc, si vous m'avez aidé dans le cas de le DAX, marché, comment il a accéléré l'UOMA, la cassure. Dis-moi quand il a cassé le breakout, le marché qui est en tête.
la moyenne ديالو intraday ديال الفوليوم لاحظتو مزيان الكارني دونك فوليوم عاد جاي المارشي ماشي بحال فوليوم اللي ديجا اكزيكوتي اكزاكتومون 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 هذاك فوليوم اللي يلاه جاي ماشي باقي ما دارش في التايم اند سيلز باقي ما اكزيكوتاش دونك ما غاديش نعرفوه الا كان ان روبو رابيد باغ اكزومبل شنو هو الخدمه شنو هي الخدمه ديال الهاي فريكونسي تريدينغ لي روبو اللي كيديروا اش اف تي الهاي فريكونسي تريدينغ كيشنو كيديروا الدور ديالهم اغلبيه فيهم لي جويدون ils font des ils travaillent sur des stratégies de spoofing اللي هو il va واخا ممنوعين بواحد الطريقه ولكن comment tu peux régulariser des robots qui vont passer des ordres اللي كثر من شي وحده دوز 100 ترانزاكسيون هادشي اللي كنقول راه اي ريال يعني ماشي كنحلم هادشي اي ريال دخلوا تفرجوا في الدوكيومونتير قراو كتبه يا دي روبو اللي رمشه 90 يلا باقي يلا رمشتي دار 200 ترانزاكسيون الي روتور يعني الا اشتي فوندو اشتي فوندو 200 فوا كومون تو بو ريغولاريزي انت كدوله دي روبو دو تريدينغ كي فون دي مليار دي مليار دو ترانزاكسيون بار ان فهمتوني مزيان سي بريسك بور لانستون امبوسيبل Okay. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Donc, bizarre dire les stratégies, ils sont basés sur le spoofing. Je qui dire, ils vont te balancer des ordres, le carnet d'ordres, pour faire croire aux investisseurs qu'à un moment donné, il y a un énorme acheteur. Tiens, tu te positionnes bien sûr comme nous. L'idée dire que tu vas te positionner en front running, ou quand on a tendance baissière ou haussière, tu t'en fiches, moi, tu as un carnet d'ordre, tu vas jouer l'effet ressort. Problème, ou est-ce nous? هو ما كاينش لوغد دونك فوالا غادي يستافد هو من العكس رابيدمون اثر سليمان انجريكول وكاينين دي فيديو كيهضروا عليهم تي بزاف وي كاينين بزاف ديال الفيديو سا نون بيش با كو الكاري دور شي حاجه خايبه وانا شو اون طران دراتاكي ولا كل اوتي وكيفاش تقدري تستعمل كل حاجه من لي بوان فور لي بوان فيب ديالها يعني خاص حسن الاستعمال اوكي وخاص ريزونمون الواحد يكون كي ريزوني ماشي غير تقال لي شي حاجه غير ريزونمون راس Donc, je vous l'exemple. Là, tu m'as les étudiants pour le breakout. Là, tout le marché, comment il réagit. Volume. Breakout avec volume. Donc, là, on sait très bien qu'il y a des acheteurs. Et les, n'aïdou le cas, n'aïdou le suivi de tendance. On reste suivi de tendance, il y a HL Haja. OK? Donc, pam, casseur, on achète, stop, baye, take profit, on prend les bénéfices d'il y a. Voilà, on a du volume pas là. Mais qu'il n'aïdou le cas, ديال 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 سكالبين حيت هاد لا زون راه حنايا فوق لوفرتور جورنالية فوق بيفو جورنالي دونك وي يا دي زاشتور و او ميم طون كاين الفوليوم يعني في لاكاسيور كاين الفوليوم واش في 21 تيك من بعد لاكاسيور ما فو نالي با فو ريغالي ها ديت موا هادشي راه غير اليوم هادشي راه اوجوردي كيبان ليا في الكراف لاكاسيور اون تيسيب لا بيسيون ديال الفوليوم فهمتوني مزيان لاحظتوا معايا كو كان عندنا واحد السينيال تري تري انتريسون شوفوا معايا لي جيفيدون هنايا مره اخرى في لا دوزيام كاسيور لو فوليوم الى اكسيليري الى اغمونتي بارابور الموين ديالو وراه الى كونتيني ا مونتي راه دار سي لو داكس كلشي قدام لو داكس شوفوا لو داكس فين وصل لو داكس راه طلع حتى 12850 اوكي باسكو كان عندنا ان فوليوم اي انورم و فوالا يافي دي زاشتور و هادشي سا بروف انكور اون اوتر فوا que les zones qui sont dans le privé trading, que des zones de l'achat, que des zones de confirmation, ce sont des zones très intéressantes. Les hints, how le volume se confirme. Je n'ai pas le plan d'Yenna, les étudiants. Je n'ai pas dit qu'on le plan d'Yenna. Il y a une boîte d'indécision autour de l'open journalier, autour du nouveau journalier. En même temps, on est sur un support intraday. Donc, soit on achète du support intraday directement, soit on va acheter la cassure. Volume, volume. Donc, super. Donc, quand le marché. Et du surplace, vaut mieux rester à l'écart. Oui. Quand le marché fait du surplace, il n'y a ni le marché mais qui déroule, on est intraday, vaut mieux rester à l'écart. On suit tout le monde, on en scalping. C'est quoi? Et même scalping, il y a des zones intéressantes. Par contre, quand le marché casse un niveau intraday, breakout, avec du volume, il faut s'activer. Donc c'est tout simplement halaka comment ça marche. Il faut juste comprendre la philosophie. C'est clair? Mbark Khoro, je vais vous donner une petite question directe sur Mbark Khoro, qui est bien lié le graphe. Qui est bien lié le graphe, la cassure anticipe l'impulsion du volume. Les questions.
زعما لو غراف لا كاسور ديال البريك اوت هي اللي كتخلي الفوليوم يطلع. شتي اللي بغيتي تقول لا كاسور في لو بري هي اللي كتخلي الفوليوم يطلع، لا راه العكس ماشي العكس. اي سون كوغيلي بيان سور، راه حيت هادوك حنايا بعد الفوليوم كيبين لينا فين دخلوا لي زاشتور. هادشي اللي خاصك تعرف، الفوليوم كيبين لينا فين دخلوا لي زاشتور. هنايا كيبان لينا ا مومون دوني كون المارشي الى كاسي بزاف 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 ديال لي ترانزاكسيون اي سو اكزيكوتي بان فوليوم كبير. يعني في هاد لابوجي ديال 2010 اللي كاينه هنا كنعرفوا ان هنايا سي ان غراف ملتي، دونك 1000 ترانزاكسيون. هادي سي اون بوجي 1000 ترانزاكسيون، دونك دازت 1000 ترانزاكسيون. لاحظتي 1000 ترانزاكسيون دازت ان فوليوم كبير على لي 1000 ترانزاكسيون اللي دازو قبل. دونك فيها دي ترانزاكسيون اللي فيهم ان فوليوم كبير، فيهم دي زاشتور اللي دخلوا بباي كبيره، فهمتوني مزيان؟ دونك هادشي كنقلبوا عليه حنايا، هذا راه سيت اون انفورماسيون زايده بالنسبه لينا، فهمتوني؟ Ok. Donc, quand le marché fait du surplace, il vaut mieux rester à l'écart. Par contre, quand le marché casse un niveau intraday, breakout avec du volume, il faut s'activer maximum. Il est quand même chaque tactique direct mais un faible volume. On s'active ou pas? C'est une question. Il y a des fois où le volume il n'est pas intéressant. On peut surtout si le marché avec la tactique il n'est pas tellement clair. Donc, tu me dis, un exemple, Sofiane Tahraoui, tu te fais venir. Aujourd'hui, le DAX, c'est le vendredi. Le volume, le volume, il n'y a même pas une heure pour le mettre dans la séance. La cassure, le volume, c'est intéressant. Là, tu me dis, c'était le vendredi, donc, critique. Critique la position déjà. Le volume n'est qu'un. Donc, vaut mieux ne pas prendre la position, sinon tu le lundi. Par contre, si tu dis la position, par exemple, le yoma, ou quel volume tu as là, je ne veux pas dire que si tu dis la position, tu as un derrière, mais tu as clôturé la séance. Tu as un volume qui est là, il explose, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Alors, tu as un peu de volume, le volume qui est la moyenne du dialogue, tu as un peu de temps. ولكن كان تري بون رياكسيون. المهم نرجعوا للمارشي لي زاشيدو، هادو سو سون توس دي مارشي لي جداد. اوكي، هاتوا لاحظوا معايا ان اكزومبل. شنو قلنا؟ قلنا كون مارشي يكاس يكاس افيك دي فوليوم، كون اي في ريان راه اي في ريان دو ريان فير. هادو لاحظوا معايا المارشي كان تحت اوفرتور جورناليير، هذا سي لو دو. اوكي، جو كوا كان مارشي تحت اوفرتور جورناليير، ا مومون دوني مارشي الى كاسي l'ouverture journalière diallo. Lahdou maïa les étudiants placassent sur le volume, comment il a explosé à la hausse. Lahdou, pourquoi? Why? Pourquoi le volume qui descendant à un moment donné cassure, pam, bzef les transactions sont exécutées. Fait les 1000 tics, les 1000 transactions les deux journaux font un volume énorme par rapport les 1000 transactions les canaux qui deux journaux. Entendu? Clair? اوكي كنلاحظوا لي جوج دون اشاك فوق كو وصل لا توندونس هنا، راه وصل ريزيستانس انتراداي، وصل ريزيستانس انتراداي المارشي بام الى اكسيليري فريمون هنايا. بزاف ديال لي زورد كانوا اكزيكوتي، وصل ريزيستانس بزاف ديال لي زورد كانوا اكزيكوتي على شي. شوفوا معايا والمارشي الى كونتيني ا مونت، يعني ما تسوقش الريزيستانس كاع. ودابا لاحظوا معايا لي جوج دون المارشي كيسكي في il se met à avoir un volume faible تحت لا موين ديالو. لاحظتوا؟ دونك كاين بوسيبيليتي ان المارشي يكوريج. دونك زادكم واحد الفهم جديد، واحد الكومبريونسيون جديده. دونك بغينا خصكم تعرفوا لي زيتيديون لي كاركتيريستيك دون توندونس سين. يعني ملي كنقولوا كاركتيريستيك، كاركتيريستيك ديال الفوليوم. اوكي، لي كاركتيريستيك دون توندونس سين في الفوليوم. واحد، لي فاز امبولسيف سو فون افيك ان فوليوم الفي. دونك اذا كانت غتكون عندنا ديال لا توندونس اوسيير، هاد لا توندونس بام لي faire des zones d'accélération, des zones de correction. Accélération, correction. Accélération, correction. Accélération, correction. Les phases d'accélération, une tendance haussière saine, qui connaît le volume élevé. Le volume élevé. Le volume élevé. Le volume élevé. Clair? Bien sûr,
C'est le parfait. Il y a des caractéristiques d'une tendance saine. Moi, bien sûr, vous avez l'appli. Moi, vous avez l'appli. Ok. Donc, les étudiants, les phases correctives, ils se font avec un volume plus faible. Il y a les phases de correction qui ont le volume plus faible. La tendance, elle est haussière. Les acheteurs, ils sont plus puissants que les vendeurs. Claire? Il y a volume faible, volume faible, volume faible. Claire? Ok. Exemple d'une tendance de forme baissière. Une tendance baissière, vraiment baissière. C'est sur l'or. Si vous voyez les étudiants, le marché, comment il réagit? Marché, il baisse, marche. Je crois que c'est sur le DAX. J'ai fait la faute, le nom. Ce sont juste des marchés intraday et quand je vous mets les étudiants. Tendance de forme baissière, qu'est-ce qui fait le marché? Volume élevé, volume élevé, volume élevé. La phase impulsive, quand même, le volume élevé. À chaque fois, à un moment donné, le marché qui a un volume élevé. Pam, pam. Et des nouveaux vendeurs qui déroulent des fréquences. Et qui déroulent un volume sur les transactions qui est énorme. OK. Le DAX, il monte. Le DAX, il monte. What the fuck? Le DAX, il monte. Sur la réaction sur le DAX, les étudiants. 21 tickets SDR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies qui se sont créées. XR. Oui, on continue. Marché, il baisse, il baisse, il baisse. Donc, un volume pas là. À un moment donné, le marché, il s'est mis à corriger. Le volume, il s'est mis à la moyenne. Il est à la moyenne, il est à la moyenne, 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 à la moyenne. Le marché, il corrige. Le 2. Marché l'ouvre, ouverture, volume talent, marché baisse. Vous avez les vendeurs qui doivent un volume plus élevé, des transactions zéro. Ça vend comme des malades, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. À un moment donné, le marché il se met à corriger. Je crois qu'il y a le marché, le moyen mobile, le moyen mobile, la moyenne journalière, la moyenne volume intraday. Au Naya, troisième journée, ça ouvre, volume élevé, marché il accélère. Partout. C'est clair? Ok. Les caractéristiques d'une tendance saine. Tleta. On donne l'oula, on donne le tania, on donne comme exemple. Ou tel le breakout ou le breakdown devra, le breakout ou le breakdown devra idéalement s'accompagner avec du volume pour être solide. Exemple. Marché, stratégie haussière, résistance, c'est le DAX, mais début de char, marché il a ouvert, moyenne. Le volume intraday, marché, pam, il accélère. Marché, on dit, là, le volume, la flacasseur, marché, il se comporte très bien. La résistance, c'est à haute état, le volume, pour que le moyen. Donc, une information qui dit que oui, les acheteurs, ils sont là. Je suis dans le bon sens. Un exemple, un breakout, c'est une photo de Google, que j'ai trouvé, que j'ai considéré comme étant une structure très intéressante. Mais dire faudrait un volume scalping. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, bien sûr, les étudiants, ma candidature le forex, les indices, les actions, ok. Forex, déjà le volume, il est énorme, cuir, mais c'est-à-dire ma candidature carne. Il met le volume cuir. Ok. Donc là, vous voyez le breakout, les étudiants, vous avez fait l'action, breakout, pam, je vous le volume cuir. Là, tu le volume cuir, qu'est-ce que là, les étudiants? Pas encore la moyenne, la dire. Vraiment un volume énorme, l'idée de faire de la transaction. Je crois qu'il est en fonction des dépenses. Okay, bon. Donc, je pense que le volume va être un outil beaucoup utile, beaucoup les breakouts. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est très utile les breakouts pour déterminer les zones qui font vraiment du volume. Détecter les retournements de tendance grâce au volume. Par la divergence. Non, oui, on peut parler de divergence. Alors, la divergence d'elle, ou par rapport à la chose. Quand on parle de l'NRSI ou de l'instant, c'est juste des chiffres qui sont en fonction du prix ou au pire des cas,
Ah, ils vont faire ce qui va faire le prix. Volume, il est déconnecté. Il y a une chose autre. Donc, oui, les divergences feu, le volume, ils sont très, 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 très intéressants. Le marché haussier, volume élevé. Marché baissier, volume faible. Marché directionnel, volume élevé. À un moment donné, c'est une ligne jaune. C'est une ligne jaune. Une baisse. Volume élevé. Qui ont les mouvements correctifs, qui ont les mouvements correctifs, un volume élevé. Comme je l'ai dit, au lieu d'avoir le mouvement correctif, qui ont un volume haussier, un volume faible, là, qui ont les mouvements de correction, un volume élevé. Ou qui ont les mouvements d'accélération, ou avec les mouvements impulsifs, qui ont un volume très faible. Ou alors, tu as les mouvements de correction, qui ont un volume élevé. Comme je l'ai dit, il dit que ça, que tu mets une divergence. Une divergence entre l'évolution et le prix ou le volume. Le volume pas connecté normalement je suis dire le marché. Comme tu dis. Donc c'est une information détruite là. Ce sont des ordres exécutés. C'est un volume qui le marché. Mais si un indicateur de vitesse ou un indicateur de l'oscillation. Clair? Ok. Donc, nous avons un exemple pour les étudiants. Nous avons le cas de la tendance de pompe baissière, la tendance directionnelle baissière, c'est le DAX. Si vous mettez les étudiants, la structure qui est là. Là, c'était une phase impulsive baissière. Là, nous avons le volume picking. Là, c'est la ligne blanche, en pointillé. Là, c'est le pic du volume. Il y a la journée qui est là. Là, nous avons un volume faible, VF. Si vous mettez les étudiants, la phase corrective, elle dit c'est une correction. Normalement, le volume, c'est la phase impulsive. Le volume, c'est l'intérêt. Le volume, c'est le volume qui la journée impulsive. Alors, si la ligne rouge, elle est comme des pointillés en mode. Je te dis bien, je vais te dire que le volume de correction qui est le plus élevé que le volume de phase impulsive. Vous voulez là? Au troisième journée, une phase impulsive, phase impulsive, marché baissier, vraiment baissier. Où le volume, il est faible par rapport au plus haut, le volume, la phase corrective. Normalement, c'est un axe, je vous dis, le correctif, le volume qui compte, mais le volume qui compte, les phases impulsives. Il y a là, tu m'as dit que le volume impulsif, le volume correctif, tire, volume impulsif, ou la correction du redlé, le 6, un volume énorme. La correction. C'est une correction, non pas un volume énorme. Donc, on s'est dit que, dans le cas, crée une divergence entre le prix et le volume. Donc, il y a une possibilité que le marché y corrige. On va dire qu'il y a un neuf bzaf de choses. C'est une information. Claire? Ok, donc, explication. Il y a deux principes importants dans une tendance. Il y a deux principes qui ont une tendance en intraday, en long terme, lesquels? Moi, je vais vous donner le cas de l'intraday. Ou les phases de distribution, juge les phases de l'accumulation. Clair? C'est rien. Qu'est-ce qu'il y a à faire? D'ailleurs, distribution, accumulation. Distribution, accumulation. Distribution, accumulation. Ok. La phase de distribution, le marché est dans une phase impulsive baissière. Qui est dans la distribution? Et le marché, il est baissier. À un certain moment, des investisseurs s'intéressent à ce marché. Ou les investisseurs, ils vont s'intéresser au marché. Ah, vous là? Soit une news, soit les investisseurs, ils considèrent fait que le prix, que c'est un prix, un investissement zoué, soit que les investisseurs qui voulent que l'action est sous-estimée, etc. Mais à un certain moment, des investisseurs s'intéressent à ce marché. Est-ce nous qui avons le volume? On note une baisse considérable des volumes lors des phases directionnelles. Distribution. Ou l'accumulation, je ne sais pas où il y a. L'accumulation, au lieu d'un volume faible,
شنو كانوا نلقاو؟ اون نوت سوفون ان اكخواسمون دي فوليوم لور دي فاز دو كوريكسيون، فهمتوني مزيان؟ يعني كيبين لنا ان كاينين لي زاشتور في هذوك لي كوريكسيون، في هذاك الموفمون كوريكتيف، هذوك اللي الناس اللي سون انتيريسي بور انفستيغ في هذاك النيفو ديال لو بري كيشريو بيان سور هما اللي كيطلعوا الكوريكسيون او لا؟ على المارشي يلبس وعا مومون دوني علاش غيبدا يطلع؟ علاش يبدا غادي يبدا يكوريجي؟ علاش؟ حيت دي زاشتور دخلوا بدا كيشريو فيه او لا؟ تفكر معايا ولا لا؟ اذا كان المارشي بيسي 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 وعا مومون دوني اي سي مي كوريجي، علاش كيبدا كيوريجي؟ يعني كاينين دي زاشتور، الا كانوا هذوك لي زاشتور فيهم فوليوم قليل كنعرفوا راسي سي جوست اون كوريكسيون، ولكن الا كانوا هذوك لي زاشتور هذوك الكوريكسيون فيهم فوليوم كبير اشنو كانوا نقولوا؟ كانوا نقولوا راه ان دي زانفستيسور سانتيريس لهذا المارشي، علاش؟ حيت لي زوردغ اللي كيكونوا اكزيكوتي في الكوريكسيون اكثر من لي زوردغ الفوليوم اللي اكزيكوتي في لي فاز امبولسيف، دونك واي كيفاش؟ دونك وي يا دي زانفستيسور كنلاحظوا ان اون نوت سوفون ان اكخواسمون دي فوليوم لور دي فاز دو كوريكسيون، فهمتوني مزيان؟ دونك المعلومه اللي نبغيكم تشدوا من لا ديفيرجونس ديال الفوليوم هي شنو هي؟ هي لا اوس دي فوليوم لور دي فاز دو كوريكسيون ايت ان سيني كو لي انستيتيسيونيل اكومول دي تيتر، فهمتوني مزيان؟ لا اوس دي فوليوم لور دي فاز دو كوريكسيون ايت ان سيني que les institutionnels, les gros poissons, les banques, les fonds de pension, les hedge funds, les investisseurs, qui accumulent des titres. C'est normal. Marché monte, correctif, volume كبير. Qui est un stintage واحد. واحد. Clair. OK. Voilà. Il faut que le marché montre qu'il y a suffisamment d'énergie pour que le mouvement se poursuive. C'est mon indien. Il est quel marché? Il faut le volume que le marché montre qu'il y a suffisamment d'énergie. L'énergie, le volume de transactions n'est qu'une exécutée pour que le mouvement se poursuive. Il y a suffisamment d'énergie, même l'axe, le correctif, quel volume كبير, les investisseurs accumulent des titres au niveau du prix, il est intéressant. Okay. Une baisse de volume lors des phases impulsives signifie tout simplement un épuisement de la baisse. Yani, oui, d'abord, quand on a un épuisement, d'abord, divergence, un grand nombre. Oui, à 100% à 1000%. Parce que oui, j'ai une de l'information, c'est le volume. يعني ملي كنقارن الفوليوم مع البري نورمالمون خصو يكون داكشي كوريلي، إذا ما كانش كوريلي كتسمى اون ديفيرجونس. لا ديفيرجونس دو فوليوم بارابور او بري سينيفي ان اسوفلمون دو لا توندونس اون كور. كلير؟ اوكي؟ سال الكور هنا لي زيتيديون، جيسبيغ كون درت الماكسيموم باش نوصل لكم ليدي اليوم ديال راني جبتكم من ليتيك، ما تنساوش راه جبتكم من الكراف تيك باش وصلت لكم الفوليوم ودرنا درنا درنا ليد ديالنا سور الفوليوم باش نخدموا بها دونك فريمون جيسبيغ نكون داك الماكسيموم باش نكون وصلت لكم ليد سي كلير لي زاشيدو الكور كان كلير عجبتني فكره الفوليوم احسن من الار اس اي بيان سور بيان سور ها محمد شعبوق دابا تقدر تستعمل ليد انت داكشي اللي كنتي كدير دابا وي دابا تستعملها بكل اريحيه باسكو كاين هادشي محمد فين كور تري انتريسون جي بيان امي ميرسي معاذ بخشان ميرسي 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 دونك حاولوا تعاودوا لو كور وتفهموا مزيان داكشي اللي هضرت عليه بشويه 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 مبارك خورو بيان اكسبليكي ميرسي هادشي زوين ميرسي ايوب بزاف اشرف او سيزيام ميرسي 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 دونك خدمه 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 بالقاسم جيستيون بوزيسيون جو في لا فير تيكيت دونك غندوزو للدوزيام بارتي نخدمو هاد السيمين بروشين نخدم عليها الويكاند كامل بي دي اف غيبقى عندكم في لوكور دابا دابا غادي نحطو لكم دابا دابا غير اون فوا غادي نسالي سيونس غادي نخليه لكم في الفورم اوكي اون ريست ان كونتاكت لي ستوديون سي بوبلي اون ريست ان كونتاكت سور واتساب اوكي ميم لو ويكاند اوكي متعة هاد التريدينغ الراوي بالحميد هو باقي عندي لو نوم ديالك في ورقة زرقاء قدامي اوكي دونك تنكيت راني دايرك في بالي كتبتها قدامي في البيرو دونك ما عنديش كيفاش ننساها اوكي دونك كلشي اللي عندي فيديو ديالك غيبقى دونك بون ويكاند ديال ستوديون جيسبيغ كنت درت الماكسيموم هاد لا سيمين في لي كور في في في
les explications que le marché. Les marchés, ils ont confirmé. Postez votre aide. Bravo pour votre aide. Postez votre aide. On se retrouve, Inch'Allah, la prochaine séance. Je vous aime, à très bientôt. Blessez les étudiants, Kamli. Le numéro de téléphone, Rendko. Il m'appelle. Ou même si vous avez besoin de juste m'appeler, appelez-moi. Je suis disponible. Ok? Rakan 12 ans, Kandraim, Mohamed Jabor, Ajar Framoki, Soufiane Tahraoui. Donc, Mahdibi. Donc, bon week-end. Ciao, ciao, ciao. Oui, Ayoub Dbar, c'est un petit coaching individualisé. Ayoub, ما تخرجش واش باقي انت تحت باقي معانا انت بغيتي كوتشينغ انديفيداليزم انا اللي كتبتها دونك جي حيت اي عبد الحميد الراوي تا هو كتبها عبد الحميد الراوي تا هو كتبها اوكي دونك جي في تو نوتي ايوب ما قريتش ديالك جو ميكسكوز ايوب دونك سي نوتي هاك الثاني اوكي واش نفس النمره ديال لو سيت حيت معدم الوقت كتجاوب مدام هنا ويت انا نعطيك لو نيميرو ديال لو بيرو وهذيك لو نيميرو شحال النيميرو ديال لو انا جو في فو انفوي لو نيميرو ديال التوين سنتر في واتساب اوكي غيوصلكم في واتساب ديال لو بيرو وي سفيان يلا زيد سفيان انا معاك شنو هي كاسر dit que le cadier ديال التيك هو ترانزاكسيون en à 60 à chaque fois voilà sauf 12 12 12 12 on a sur téléphone